Et Yomina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Drian, on se retrouve donc pour la suite de Soul Hackers 2. J'ai eu des nouveaux démons, je vais vous le montrer. Alors donc, je sais pas, oui, je crois que c'était dans l'épisode précédent, on avait récupéré Sironup, de ce que je vois il s'appelle comme ça, récupéré Mokoi, Gremlin. Et j'ai récupéré, je suis content, la Bicorn. J'ai récupéré tous les démons qui étaient dans le donjon actuellement que j'ai rencontré. Et dans le dernier épisode, on avait juste commencé à faire le donjon, donc la matrice de l'âme de Crow. On s'est arrêté à cet endroit-là, alors on continue. Je sais pas si c'était quasi proche de la fin, mais on va continuer. Ok, ok, il y a un ennemi ici. Il n'y a pas de démon à moi ici. S'il y en a un là-bas. Ouais, le lapin. Ah merde. Je savais pas que le démon allait disparaître directement comme ça. Ah d'accord, PV et PM récupéré. Oh, regardez là-bas, il y a quelque chose. Ah, c'est peut-être le boss, le démon qu'on va affronter. Il y a quelque chose par terre, on dirait. Ça se trouve, c'est l'âme de Crow. Je sais pas. Ah, regardez, là aussi. Ah non! Là, c'est vraiment un démon. Mais là, je crois que c'est celui qui a tué Crow, le mec avec les cheveux verts. Alors, je voulais changer de tenue. Et je l'ai pas fait. On changera de tenue pour le prochain épisode. On changera de tenue et d'OST de combat dans le prochain épisode. Voilà, Bicorn, tu bouffes ça. On va faire un maximum de combos. Et toi, la Bicorn, tu vas te prendre à Agi. Un combo x2. Donc ça tuera pas tout le monde, ça c'est sûr. Mais ça fera un minimum de dégâts. Oh ouais. En plus, t'as raté. Il y en a un qui a raté. Pas sur Rin, pas sur Lingo. C'est bon. Bon, de toute façon, je pense qu'ils sont tous morts, hein. C'est bon. Hein. Je pense qu'on peut les dégager. Hein. On fait le ménage, hein. Boule de Talukaja. Ça, c'était un item qu'on n'est pas tombé dessus. Ça, c'est cool. Alors, si on regarde le donjon, je n'ai pas fait ce qu'il y a en bas. Donc, je crois peut-être que j'ai pas tout vu. Oh, il y a un violet. Je peux te parler? Voilà, comme ça, ça annule le combat. Vous entendez une voix venant de quelque part. Qu'est-ce que tu fous? Tu as tué ce type? Réponds-moi, Haro. Oula. Quand vous reprenez vos esprits, l'illusion a disparu. Tout est calme autour de vous. Bon, ça, on l'a dégagé. Bah là, au final, on peut descendre là. Ça, c'est une récupération de PV et de PM. Donc c'est cool. Ça, c'est un objet, donc on va prendre. Bon, j'ai pas tout fouillé, mais au pire, j'ai envie de vous dire, on fouillera tout quand j'y retournerai. Au pire des cas. Parce que j'aime bien tout clean, même s'il y a rien au bout de la map, mais tout remplir. Ah, mais ça se trouve, c'est un morceau de la map où il n'y avait rien au bout et j'y ai pas été. Ah, c'est pour ça. Size. Un Hagi. Au moins, comme ça, la Bicorn, elle sera mise KO. Ça,
Un combo 2x2. C'est comme tout à l'heure. Tout simplement. Juste de l'attaque. Ok. De toute façon, on les a tous mis KO. Toi, tu dégages. Toi aussi. Ouais, tout le monde est KO, c'est bon. On change pas les habitudes, ça a été tranquillou. On change pas les petites habitudes, comme ça, au moins, voilà, on a récupéré ce morceau de carte. Hein. Si plus tard on peut y retourner, bah, j'y retournerai. Il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que là, ça veut dire que c'est un endroit qu'on pourra pas aller? Bah attendez. Attends, Lingo. Ce truc qu'on vient de passer, ce n'est pas la porte? Tu as raison. Allons voir ça. Rien à faire. Je me demande si notre niveau d'âme est trop bas. Ça n'a pas l'air de réagir. Nous ignorons la cause, mais on ne peut apparemment pas la déverrouiller. Compris, alors on ne devrait pas s'en inquiéter pour l'instant et continuer. Bon voilà, hein. Vous m'avez emmerdé au final pour y aller pour rien. Mais je voulais pas faire le combat, ils m'ont lancé instant le combat. Oh les petits renards qui dansent. Oh merde, je l'ai tué. Ah, je l'ai one shot. Bon bah je l'ai one shot aussi. Là ça va faire mal. Bah ça one shot tout le monde. Ça one shot tout le monde. Donc je sais pas si ça déverrouille automatiquement la porte, mais comme ça au moins c'est fait. Là-bas il y a un Non. Laisse-moi activer ça. Niveau d'âme requis pour Arrow 10, niveau d'âme actuel 10. Oui oui, dans les profondeurs de chaque niveau un gardien vous attendra. Battez ce démon puissant si vous voulez passer la porte. Ok ok ok. Oui oui, je veux avancer. On let's go. Il y a un démon qui nous aura violette, pour l'instant on va pas s'embêter. Directement le combat. Alors, est-ce que tu crains le bouffou? Tu t'en balèques du bouffou. Tu bloques le Zio. T'es faible au feu. Ok. Bon, ça fera qu'un démon, mais au moins c'est cool. Attaque tête d'oignon. Il bloque le Zio parce qu'il attaque avec du Zio. Ok. Et les armes à feu. Ouais, c'est basique. Diminue la visée. Non, on va lancer. On va continuer de lancer du bouffou. Ça lui fait mal sans être sa faiblesse.
Augmente l'attaque de tous les alliés pendant 3 tours. Bah let's go. Les musiques, elles sont vraiment classe. Oh. Oh mais c'est excellent. Les renards, ils craignent le Zio. Ça permettrait de faire de plus gros combos. Là, franchement, ça nous arrange. Là, tu fais vraiment quelque chose que j'adore. À moins que... Ah, voilà, ils craignent bien la foudre. Voilà, ça s'est fait. Ça fait un petit peu plus mal. Un combo de 3 dans ta gueule. Tes renforts n'ont pas été utiles. Ok, l'attaque qui est augmentée. Pour l'instant, ça se passe bien. La moitié de moi, quasi la moitié, il a quasi la moitié de cette vie dégagée. Mazio. Oh, c'est la version au-dessus de Zio. Il a un bon sort, lui. Vrai. Je pense qu'on peut encore résister, hein. Ouais, il est dans le rouge. Normalement, il était même KO, là. Peut-être que pendant ce tour-là, on l'a tué. Allez, Milady. Oh, il reste un gramme. Ah, mais non, le combo. Nickel. Oh, Saizo est quasi monté niveau 12. Ah, je vais avoir un cadeau de... Mokoi. Réduction de PM soutien. Oh, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. やめよう。ファントムソサエティのやっていることは間違ってるんだ。目を覚ませよ。<笑>目を覚ませ。だと。ふざけんなよ。戦えよ。嫌だ。戦え。さあ。ああ。そうか。 間違ってたのは俺だ。 En battant le gardien situé dans chaque niveau, vous pouvez accéder et revivre des souvenirs marquants de vos alliés. Ils sont appelés des quêtes de vision. Les quêtes de vision sont la preuve qu'un approfondissement de la compréhension mutuelle entre Gringo et son allié relié par le piratage d'âme. Poursuivez l'exploration de la matrice d'âme et vous pourrez alors mieux comprendre vos coéquipiers. D'accord. Et je m'étais trompé la dernière fois où j'avais dit que c'était le... Ah, je sais plus comment j'avais dit ça. Moi, je croyais que c'était le compendium ou le... Je sais plus comment j'avais appelé par rapport aux fusions. Et en fait, je m'étais trompé. Non, c'était bien par rapport aux fusions. Et dans Persona, le truc qui nous permet de permettre d'XP, d'affronter des démons, c'était le Memento.
Je m'étais trompé la dernière fois. Oi, daijoubu ka yo? Kyū ni damari kokutte. No, shinpai nai. Ima, Ringo to Arou ga fureta mono wa hito no juyou na kiyoku. Sono okage de daiji na koto o omoidashita. Iya. Ja, ima no tte. Ore ga korosareta toki no kiyoku da. Machigai nai. Aitsu wa Kaburagi wa ima mo Phantom Society ni iru. Covenant o te ni ireru tame ni. Sakki no kare ga teki nan da ne. Ah. それに大事な友達だ。アローがファントムソサエティを裏切ったから友達はあんなに怒ってるの？そうじゃない。あいつとは大切な約束があったんだ。俺はそれを破ってしまうところだった。だからやり直す機会をくれたことを感謝してる。その大事な約束って？サマラーの皆さんに感謝します。異物であった悪魔を排除したため、リンゴの精神は現在昇降状態を保っています。今言う、さっき倒した時点で分かってたでしょ。いえ、思わぬ発見があったので簡易的にですがその確認を行っていました。異物が排除されたことでアローとリンゴの精神的位相が近づいた結果、新たな能力が拡張されたようです。ソウルマトリクスを探索しゲートを解消していくことは大きなメリットと言えます。確かに能力の拡張は魅力的だね。ちょっといい？話題が前後しちゃうけど、昇降状態ってことは不調の根本的な原因が取り除けたわけじゃないの？はい、ですが今回のような異物の排除は対処として一定の効果があるようです。今後倒れるようなことはないでしょう。ただ頻繁にソウルハックを行うことは控えてください、リンゴ。まあそうくるよね。ソウルハックは未知の要素も多く、危険な行為であることに変わりはないのです。予期せぬ事態は避けるべきです。 Très bien, je vais m'arrêter. Bien, me voilà prévenu. Et si je suis dans mon cœur, on va marquer très bien, je vais m'arrêter. 控えるよ、可能な限りね。ソウルハックが必要な事態になったら躊躇しないって言いたげね。当然、出し惜しみする意味なんてあるかな。いいえ、合理的な判断を下せる協力者は得難いわ。一時的な関係ならなおのこと。ミレディが鉄仮面に会えるようにしてあげるから心配しないで。もしその後敵対することになっても恨みっこなし、オッケー？ええ、でもそうならないことを願ってるわ。あれ、そうなんだ、意外。ソウルハックもミレディとことを構えるのも避けられるに越したことはねえよな。まったくだ。リンゴの意思は最大限尊重します。ですけど本当に必要な時だけにしてくださいね。分かってるって、フィグは心配性なんだから。皆さんのおかげでリンゴが元気になったようで何よりです。私からもいい知らせがあります。コベナント所持者の手がかりがつかめました。さすがフィグ。この短時間でよく見つけたものね。よし、これでコベナント探しを本格的に行える。他のコベナント所持者がどんなやつか気になるし、急いで戻ろうぜ。皆さん、無理せずセーフハウスまで戻ってきてくださいね。待って。Ah bah maintenant on peut avoir un autre truc, soit maître soigneur. Ou revanche calculée. Lorsque vous utilisez la garde, légère récupération de PV. Renforce la récupération des alliés démoniaques en reconnaissance. Eh ben, maître soigneur, ça peut être pas mal. Non. Tu ne vas pas de main morte quand tu te bats, Lingo. Rien que te regarder, ça me stresse.
Eh bien, je me familiarise encore avec mon corps physique. Je dois continuer à tester mes limites. Bon, viens me voir si t'es blessé, je ferai mon possible pour t'aider. Oh, tu sais traiter les blessures, Haro ? On m'a toujours dit que c'était bon à savoir. Et je suis souvent retrouvé à m'occuper des genre casse-cou. Ok, nouvelle requête au truc. Là, je pense qu'on pourra pas passer. Hein. Les profondeurs de la matrice de l'âme sont divisées en plusieurs niveaux. Déverrouiller une porte brisée située derrière un gardien vous permettra de poursuivre vers le niveau suivant. Ah, ok. La porte est scellée. La porte est scellée. Je l'ai dans l'yonf. Je l'ai dans l'yonf. Eh ben, on va se barrer. Non, non, on se barre d'ici. On va à l'entrée. Au moins, comme ça, on a fait tout ce qu'il fallait ici. Donc, on aurait Fig aurait récupéré... Enfin, récupéré... aurait repéré un autre Covenant. À l'entrée, des illusions du groupe de Lingo peuvent vous conseiller dans votre exploration de la matrice de l'âme. L'illusion de Lingo peut apprendre des compétences d'invocation et accepter des ordres d'Aion qui contribuent à maintenir l'intégrité de la matrice d'âme. Vous pouvez désormais explorer la matrice de l'âme de Milady et Saizo. Oh, je peux y aller? Oh, ça m'intéresse. Alors naturellement, c'est une zone gardée pour moi virtuelle. L'idée de... que tu fais de moi, cette voie mène au secteur de Milady. Tu veux savoir ce qu'il y a ici, tu n'as qu'à demander. Cela dit, on dirait que tu n'es pas encore allé dans le secteur de Milady. Je t'en dirai davantage quand tu seras à l'intérieur. Ok, donc ça, on peut en... Ah, là, on a un truc qui sert à quelque chose. Vous pouvez désormais acquérir de nouvelles compétences d'invocateur. Les nouvelles directives d'Aion ont été ajoutées. Je suis toi avant que tu deviennes Olingo, donc je suis toi. Je suis le fruit de ton expérience, c'est donc moi qui transfère les compétences. Et pour te demander d'approcher les occurrences spéciales détectées dans la matrice de l'âme, en d'autres termes, je transmets les directions d'Aion. Cela pour que tu puisses devenir une Ringo encore meilleure. C'est quoi ça? Oh, échappe instantanément d'un donjon et revenez sur la carte de la ville. C'est pas mal? Votre chance augmente de 3. Non, je vais apprendre ça. Un bon invocateur doit toujours savoir quand se replier. Après tout, une fois que t'es mort, c'est fini. Fin de partie. Umu Saizo, n'es-tu pas déjà mort récemment? Exactement. Quand vous utilisez des compétences en combat, il y a des chances que les PM ne soient pas consommés. Et en même temps, c'est des compétences d'invocation, mais est-ce que c'est uniquement pour elle? Tu t'es habitué à un nouveau style de combat amélioré par Ryan? Ouais, plus ou moins, très efficace, mais j'ai toujours quelques réserves. L'histoire des invocateurs ne date pas d'hier. Je me sens un peu coupable de soudainement rejeter tout ce que les pionniers ont bâti. Question de tradition, j'imagine. Je comprends où tu veux en venir, mais tu ne crois pas qu'embrasser de nouvelles idées est tout aussi important? Eh bien, je ne parlais pas seulement de technique, il y a également un aspect émotionnel. Ah ok, là j'en ai pas. Adopter les directives. Waouh. Accepter le premier nettoyage du secteur Haro. Accepter la récupération de la chaîne. Accepter le sujet ennemi. Waouh. Ok, donc ça c'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce qu'on peut faire à l'intérieur des matrices de l'âme. Et ben ça, je pourrais le faire hors vidéo, si c'est des petits trucs où il faut se balader dans la matrice. Je ferai un... Lingo, nous devons parler. As-tu un moment? Bah vas-y. Lingo, je requiers ta coopération pour assister les activités futures d'Aion.
J'aimerais que tu récupères un comp particulier et que tu le ramènes à l'Axis. Cette mission n'est possible que pour un corps physique tel que toi. Client Flamma. Il faut, donc le lieu c'est l'Axis. Niveau idéal, niveau 5. Récompense. Ok. Merci. Avant de passer en revue les paramètres de la mission, permets-moi de t'offrir une explication préliminaire. Comme tu sais, Aion a pour mission de rassembler des données, de les analyser et de continuer à évoluer avec les informations récoltées. À cette fin, Aion utilise le flux d'informations électroniques, ou le réseau Internet comme les humains l'appellent. Internet a permis au monde de devenir plus interconnecté que jamais. C'est une source vitale pour Aion. Aion étend sa toile d'informations grâce à ce réseau, absorbant une quantité considérable de données par la même occasion. Or, pour une raison inconnue, de nombreux appareils d'information ont été détruits le mois dernier, freinant nos efforts de collecte de données. Aion a décidé de s'occuper de la situation en enquêtant sur la source de leur destruction. Lingo, étant donné ta présence physique dans le monde humain, ta tâche est de récupérer l'appareil. Plus particulièrement, tu dois récupérer un comp appartement à un invocateur nommé Akira. Il a été détruit le mois dernier au début des incidents. Selon nos informations, Akira est un client régulier du bar Edrun dans la rue... Ok. Donc il faut aller au bar. Vous pouvez désormais organiser des événements personnels au bar de la rue. Les événements personnels sont efficaces pour augmenter le niveau d'âme d'un allié particulier. Ok, et ben... Et là donc ça veut dire qu'on... On va y aller. On va aller au bar. On va se soigner parce que je pense qu'on en a besoin. Et puis on va aller au bar. On a une mission, allez. Lingo, 調子はどうですか? 今のところ何ともない。 いつでも出られるよ。 ところ... はい。 私たちが確保すべき最後のコベナント所持者 クズノハ満月の居場所についてです。 彼とおぼしき人物が地下鉄廃路線に潜んでいる可能性が極めて高いです。 地下鉄廃路線? ああ、あれか。 ほら、 10年くらい前にさ、 首都直下型地震に備えて地下鉄に進路線を作ろうって話あったじゃねえか。でもその後予算がどうとかいろいろ揉めてさ、結局ありものの補強工事してなんとかしようってことになったやつ。作りかけの進路線がそのまま放置されてて、そこにホームレスが住み着いて問題になってるって話だぜ。失業者問題、きらびやかなAI産業の負の側面ね。 まさかあのクズノハも失業していよいよホームレスやってんのか? やだやだ、諸行は無常だね。 そもそもクズノハって一体何者? あなたたちは当たり前のように話すけど。 クズノハは今日に至るまで幾度となく霊的な災害や事件からこの国を守ってきたデビルサマナーの一族の名だ。クズノハ満月もその一人。 高齢だがかなりの実力を持っているという。確かヤタガラスと仲がいいんだよね。国防という観点からクズノハの名をいただく者は代々ヤタガラスよりの人間が多いな。正義の味方ってやつだな。正義。Je n'ai pas de commentaire à faire. Pourquoi ils ont un truc en or autour d'eux? Je sais pas, je n'ai pas de commentaire à faire. Donc ce sont des sortes de héros. La justice est un concept subjectif. On va marquer ça pour être du... Non, on va augmenter, on va marquer je n'ai pas de commentaire à faire. Ça, ça augmente un peu aussi le niveau d'âme de Saizo. Je n'ai pas de commentaire. Je n'ai pas de commentaire ici. Je n'ai pas de commentaire ici. Nous sommes juste un peu de commentaire. 思想じゃなくて目的で結びついてさえいればそれでいい。リンゴの言う通りだな。それが仲良しの秘訣ってな。で、何の話だったっけ？クズノハ満月が最後のコベナント所持者だっつう話だな。満月はヤタガラスの推し進めるコベナントの研究に関わっていたわ。そうなのか。ええ。 あなたが知らないのも無理はない。おそらくヤタガラス内部でも超極秘の計画だったようだから。満月は何の研究をしていたの?コベナントに関するすべてを。敵方の事情なのに随分詳しいんだね。当たり前じゃない。
だって私は1年前に満月の研究所を襲った鉄仮面の側近よ。満月の研究所を襲った？ええ、鉄仮面のターゲットは2つのコベナント、満月が持つそれと彼の助手が持つそれ。2つのコベナントが満月の研究所に集まってたってわけか。2人がコベナントをその身に宿していたからこそ研究を進めていたと見るのが妥当でしょう。今となっては真実を確かめる術はないけどね。襲撃の結果は何とも言えないわね。鉄仮面は満月の助手を殺害、彼の持つコベナントは奪取したわ。そして熾烈を極めた戦闘によって満月の研究施設は炎上、満月は死に、彼の持つコベナントはどこかへと失われてしまった。そう、その満月さんが生き延びて廃炉船に隠れてる可能性があるってわけか。どうやって調べたんだピグ？噂話です。おいおい大丈夫かよ、ハイテク系。まずは監視カメラへの発揮、いえアクセスを試みたのですが、ホームレスによって物理的に破壊されていたようなので断念。各種 SNS、 個人メール、サマナーネット、その他諸々のデータベースにアクセス、怪事件、つまりオカルトに関する事案の情報を収集したところ、ある時期を境にそれら怪事件に片腕の老人というキーワードがヒットするようになりました。片腕の老人？はい、片腕の老人が怪事件を解決して回っているようなのです。しかも単独で、私はその老人がデビルサマナーなのではないかと推測しました。それもかなりの実力の。かなりの実力者、その老人が満月じゃないかってこと？はい、その片腕の老人の目撃情報があった場所をマッピング、情報の偏差から地下鉄廃炉線に当たりをつけました。片腕の老人はそこに住むホームレスたちから先生と慕われているそうです。お見それいたしました。でもよ、地下鉄廃炉線って言っても相当な広さだぜ。ジージー探してるうちに俺たちがジージーになっちまうなんて笑えねえぞ。そうだね、あんまりのんびりしてられない。満月の所在はファントムも血眼になって探してるだろうし。そんなにかからないでしょうが、もう少し時間をください。収集したデータを重要度に応じてランク付け、時系列ごとに並べ直し再度マッピングしてみます。さすがフィグ、私の相棒だね。俺たちはしばらく待ちか。だったら六方レルムに行けば、ほら仲間の数も揃ってきただろ。いろいろ型破りとはいえ、リンゴちゃんも一応サマナーってことになるわけだし、ビクトルのとっつぁんに面倒し済ましといてもいいと思うんだ。ビクトルのとっつぁん誰？一言では言い表せないな。百聞は一見にしかず、行ってみないか。俺、それじゃせっかくだし案内してもらおうかな。調子はどう？どうですか？いいでしょ？なるほどね。何のことですか？了解。Déguster des repas pour obtenir différents effets qui vous aident. Ok, donc ça, je vois ce que c'est. Donc, on va mettre se reposer, on récupère. Donc là, il y a marqué qu'on peut manger. Mais on va pas manger maintenant. Maintenant, on peut aller à la dimension Lopo. Eh ben, let's go! Ça parlait d'un oncle et de démons. Est-ce que on va pouvoir, au final, comme je pensais, peut-être fusionner et créer des démons?
なテントだね。で、曲芸でも見に行くわけ、私たち。曲芸じみたものを見ることにはなるかもな。何それ。詳しいことはすぐにわかる。さあ、行こう。La dimension Lopo est une zone dans laquelle seule l'élite des invocateurs de démons peut accéder. Le cercle du Goumaden, un établissement dirigé par Victor. Peut-être trouvé ici. Ah, c'est peut-être le truc qui nous permettra de créer des démons au final. J'espère. Yōkoso, Silk do Goumaden. Wagahai wa kono circus no owner, Victor de aru. Domo. 今日も元気そうだな、オーナー。ビクトル、紹介するよ。彼女はリンゴ。まあ、新米のデビル様なってとこだ。ん？はははははなるほど。人の英知を凌駕する存在か。私がどうかした？今はあえて多くを語るまい。大丈夫だよリンゴ。少し変わってるけど、ビクトルは信頼できる人だ。少しねえ。で、ここでは一体何ができるの？このサーカスでは仲間を使った悪魔合体ができるんだ。悪魔絡みってことか。じゃあ日の輪くぐりとかは見られないんだ。ちょっと残念。日の輪くぐり？それ以上のものをご覧に入れよう。悪魔同士の合体はまさにサーカス。新たな生命が誕生する瞬間こそが極上のショータイムとなる。演目、悪魔合体、とくとご賞覧あれ。今後はこの施設を使って戦力を増強していこう。これからよろしくね、ビクトル。リンゴ、取り込み中すみません。片腕の老人についておおよその居場所が特定できました。中央地区放棄路線、おそらくそこがクズの葉マーゲスとみられる老人の潜伏先です。かなりピンポイントに絞れたね。ありがとうフィグ。これで満月の捜索にも本格的に乗り出せるな。ここで仲間の準備ができ次第すぐに。ほう。Vaincre des démons rares te permet... Alors, je suis content, on va pouvoir fusionner des démons, c'est tout ce que je voulais. Vaincre des démons rares te permettra de les recréer ici grâce à la fusion. Souviens-t'en. Tu as débloqué Kishin Take Minakata. Un nouveau démon a été ajouté à la liste de fusion spéciale. Donc, ah, mais c'est bien ce que je pensais. Donc, j'avais peur de dire des bêtises tout à l'heure. C'est bien le compendium, donc, qui nous permet, en gros, c'est comme une sorte de liste de tous les démons qui existent dans le jeu. Voilà. Sauvegarder un démon dans le compendium. Là, c'est pour invoquer un démon qui a été sauvegardé. Et en gros, voilà, et le memento, c'était bien où on allait pour pouvoir XP, qu'on descendait de plus en plus pour purifier la cube, les gens qui avaient un mauvais fond, quoi, en gros. De toute façon, là, j'ai rien invoqué, là. Attends, j'ai des trucs qui sont à zéro. Ah, mais oui ! Avec le DLC ! Non, mais non, non ! Frérot, niveau 90, je vais pas jouer ça. Je veux bien jouer Satan, mais pas niveau 90. Non, 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 il y a une limite à la connerie. Que ce soit alors voilà, dans le DLC, donc ceux qui achètent soit le DLC séparé ou la version qui contient tous les DLC. Alors dedans, on a Satan, Mara, donc la top quoi. Ou le chibre, quoi. Ou la bite. Le zboub, quoi. Masakado. Oh, elle est jolie. Ah, mais c'est celle qui est...
C'est la tenue que peut mettre notre héroïne Lingo. Zhao Gongen. Alors, un que j'adore, qui fait partie dans ma team de Persona 5. Armaiti. Anahita. Tizimilt. Ayo. Celui-là, au pire, on peut l'invoquer. Niveau 16, on peut invoquer Ayo. Voilà, Ayo, on l'invoque. Et une fois qu'on a déjà invoqué un démon, qu'il soit gratuit ou non, enfin ceux qui sont gratuits plutôt on va dire, et ben après il faudra réutiliser de l'argent pour les réinvoquer. Alors fais-moi voir ce que je peux fusionner mon gars. Ah, en recommandé, je viens de voir à droite, en nouveau. Il est beau celui du million, on dirait une sorte de créature un peu bizarre. Fais voir. Gazer fou, il est beau. Sutunche. Ok. Et Sirène, elle est connue. Ok. On va regarder ce qu'on peut faire. Fusion ordinaire. En fusion spéciale, on peut faire. On peut pas faire de fusion spéciale. Fusion avancée. Ok, donc on va faire fusion ordinaire. Ah, mais on peut pas choisir. En fait, on verra l'ombre du démon. Je sais pas, imaginons, je vais faire Mokoi. Ah si, on voit le démon à côté, si je choisis. Là, on peut faire le gazeur fou, si je mets Mokoi et lui. Le marchand de sable, je suis pas fan. Zen est pas mal. Déchu. C'est un pigeon ? Non, c'est moi, c'est un pigeon. C'est un pigeon, je suis obligé de dire ça. Alors, avec lui, je peux faire pas mal de... Le gazeur fou, je peux le faire avec pas mal de démons. Est-ce qu'on fait le gazeur fou ? Ah, on peut faire Jack Frost. Yoma, non ? Ah, avec Pixie et Ayo, je peux créer lui. Bah, on verra plus tard pour les fusions. En tout cas, c'est très stylé. En tout cas, c'est très cool. On verra pour les fusions plus tard. Là, maintenant, on peut aller... Donc, là, on a le cirque de Gumaden. Je vais juste y aller pour pouvoir retirer le nouveau. Et maintenant, on peut aller à la ligne centrale. Il faut qu'on aille le retrouver, donc... La personne qu'on recherche. Parce qu'il a un convenant. Il faut pas qu'il se le fasse voler, il faut pas qu'il se fasse tuer.今回の作戦目標はクズの葉満月の存在の確認。発見した際には協力関係を築くように働きかけてください。しかしもし本当に満月がいたとしてだ。こんな場所にいるもんかね。地下鉄廃路線は悪魔の巣窟だぜ。俺らも注意して進まねえとな。そうだね。じゃあ行こうか。 行こうか。 Alors, en invocateur, on va changer le démon. On va retirer Pixie. Désolé, Pixie, on te retire. Et toi, t'as quoi comme attaque ? Bufula, Mazio. Bah voilà, regardez. Pixie a la Zio. Alors que Ayo, il a Mazio. Bufula, le piratage d'âme. Ressusciter un allié avec la moitié des PV. Oh, mais c'est insane ! Maître de l'amour peut s'activer lors d'une conjuration. Donc conjuration, c'est quand on fait un combo à partir de 1. Avec la faiblesse d'un démon. Une faible récup des PV pour tous les alliés et guérit de toutes les alternations d'état de statut autres que le chaos. Mais il est insane le Ayo.
Il est trop bien. Let's go. Ikoka. Alors Pépé, tu crains les attaques au fusil? Non. En plus, le Mazio, ça touche tout le monde. Donc comme ça... Oh, j'ai ma compétence, les PM n'ont pas été utilisés. Ça, c'est excellent. Donc, alors, eux, ils bloquent... Eux, ils bloquent la foudre. J'allais dire, t'es une plante, donc peut-être que tu crains le feu. Mais oui. Alors, peut-être que si Ren craint le bouffou. Non, elle résiste au bouffou. Ayo. Ah non, c'est vrai que Ayo n'a pas trouvé de faiblesse. Quand vous subissez les effets de sommeil, vous ne pouvez pas agir, mais vous récupérez un peu de PV et de PM. Ah ok, oui, c'est oui. Crains pas les armes à feu. Est-ce que tu crains les armes, les trucs au corps à corps? Nickel. Il y aura un combo. Ouh, elle a morflé. Ouais, faut la soigner quand même. Saizo, t'es enfin niveau 12. Saizo, enfin niveau 12. On avance comment? Ah, ok. Ouais, non, mais t'as vu un ennemi, je sais. Ok, ok, ok. Là, il y a un de mes compagnons. Est-ce qu'on peut passer de l'autre côté? What? Mais non! Mais c'est quoi tout ça qu'il y avait derrière moi? Mais vous êtes sérieux? Il y avait tout ça derrière moi. Ah oui, toi, tu crains les attaques au corps à corps. On va essayer ça. On va essayer le feu sur les cochons. On dirait des cochons. Ok. J'ai même pas vu leur niveau. Oh non, elle va encore endormir ma... Ça vous amuse d'endormir ma perso? Ça vous amuse? Ils craignent pas les attaques au corps à corps. Ah oui, j'ai pas vu le niveau du monstre en face. Ah oui, vous êtes très bon niveau les gars. Ah, on a pas essayé la foudre? Ok, tu crains pas la foudre. Tu bloques la glace, donc à mon avis, ça se trouve, c'est peut-être l'air. Ça se trouve ça. Je veux dire, je peux te terminer avec ça, hein.
Quoique, ma bicorne, elle fait même pas de dégâts air. Ma bicorne, elle fait même pas d'attaque air. Je suis un peu déçu, là. Impossible d'ouvrir de ce côté. Ok, c'est Keblo. Compris. Ah. Berk, il y a un truc qui est sorti de mon oreille. Ah. Il y a un chaman qui t'a mis un truc dans ton oreille. Bah, la prochaine fois, bah, je sais pas, frappe le chaman. Mets-lui une correction. Fais-lui du sale. Ok, impossible d'ouvrir de ce côté. Oh, des vieux papis. Bah, les vieux papis, eux, les vieux papis craignent le feu. Et ils bloquent le Zio. Et il faudrait une attaque de feu qui vise tout le monde, ce serait tellement meilleur. Yes, les PM ne sont pas utilisés. Nickel. Ça c'est cool. C'est juste insane. Oh, ça a même pas tué celui que j'affaiblis. Celui qui restait plus rien, ça l'a même pas tué. C'est abusé. Ouais, c'est vrai que Bufula, c'est une version améliorée de Bufu. Et on va affaiblir celui que je viens d'attaquer. Non, ils sont peut-être tous les trois morts en même temps. Nickel. Ah, mon petit renard qui... Oh, mon petit renard qui danse, il va me donner PV et PM. Ah, je te kiffe, t'es mon frérot, toi. T'es mon frérot. Par contre, j'espère que... Ça se trouve, là, on va pouvoir y rentrer et j'aurai pas testé ce qu'il y a derrière. Regardez, là, comme par hasard, je peux y rentrer. Eh, le jeu, il se foutrait pas un peu de ma tronche, non? On n'est pas d'accord, non? C'est vraiment foutage de gueule, au final. Oh non, pas un violet! D'accord. À mon avis, ils vont être haut niveau, ceux-là. Aïe! Ah ouais, non, pour l'instant, les violets font... J'ai pas vu le niveau, j'aurais dû. Je suis débile, j'aurais dû regarder le niveau. Alors, nécessite une clé physique. Ok. Donc là, il me faudrait une clé. Oh. Ça, ça peut être bien. Donnez-moi un hé, donnez-moi un ho, donnez-moi un hi ho. Il veut qu'on lui donne un hi ho. Bon, en fait, là, on a deux portes qui sont lock. Une en bas, une sur le chemin et une sur la droite. Oh, mais il n'y a pas de soucis, hein. Yes, on leur a fait des dégâts pour commencer. Alors, vous, c'est les attaques physiques et vous, c'est le feu. Alors, attaque physique et le feu.
その程度はね。行くわ。それは相性がいい。なんとかなんだ。地獄の豪華に焼かれない。ここが弱いのね。腕はそうだ。Le bouffou, on peut le faire au pire sur elle. Ah non, ils craignent pas le bouffou, ils le bloquent. Ah non, ils résistent. Bon, c'est quand même pas mal. Il a raté. Et il dort pas. C'est très bon. Ah, on l'aura mis KO. Niveau 9, le petit renard. Ah, un démon à recruter. Et vu que j'en ai aucun qui sont ici. Allez, s'il te plaît, donne-moi. Celui que je veux le plus que j'ai vu pour l'instant. Ce serait peut-être le petit cochon. Ou la sirène. Yeah! Elle a quand même sucé mes PM. Quelle garce. C'est vraiment une garce. Sentez une présence dangereuse de l'autre côté. Ok, et eh ben avant d'y aller, on va remplir nos PV, remplir nos PM. Et puis on va y aller. Mais ce serait bien déjà de faire ça. L'icône, repas favori, M, normal, déteste, inconnu. Comme ça, on peut y aller. La ligne centrale. Les ennemis rares sont des ennemis spéciaux présents dans les donjons. Vous entendrez des objets à encaisser en les vainquant, mais ils fuiront dès qu'ils vous remarqueront. J'en ai rencontré un en faisant une du recrutement en off, hors vidéo. On va voir soi-disant la présence qui est assez. La présence qui est assez dangereuse. Yomete kure! On ne va pas rester sans rien faire. Non, on va pas rester sans rien faire. Bien dit. On va voir la faiblesse de son démon. Qu'est-ce que tu crains? On a raté. Lui, il est faible au Mazio, par contre, l'invocateur. De feu. Ouh, il a fait mal à notre pauvre Haro. On n'a pas essayé les dégâts physiques contre son invocation. Ah mais il a esquivé mon Hagi. Ok. Yes. On va faire ça. Dans la tronche. Ils augmentent leur attaque. Ah, il l'a pas loupé. Ah, t'as pas loupé, hein? Ça va, on peut toucher plusieurs fois les mêmes points faibles. Donc ça va, c'est cool. Est-ce que la glace t'aime bien?
Oh, il est faible à la glace aussi. Est-ce que tu veux dire que t'es faible aussi à tous les éléments, genre le feu? Non, il le bloque. Par contre, là, tu vas morfler. Son démon, il est mort. Donc ça, c'est bien. Oh, ça touche tout le monde? T'es sérieux? T'es sérieux, tu touches tout le monde, mon gars? Bon, de toute façon, on l'aura vaincu bien avant le combo. Oh, 290 d'XP. Tout le monde est monté niveau 13. いえいえ、通りがかったのも何かの縁ってね。ねえ、あなたたちはどうしてあの男に絡まれてたの？先生の居場所を探ってたんだろうよ。聞いたことのない名前だけどよ。多分、最近この辺りについてる片腕のじいさんなんじゃないかとは思ってる。それはどうして？ あの人は普通とは違うっていうか、風体からして訳ありっぽいからな。最初の頃は厄介事を持ち込まねえか気をけど、こんな俺らにもよくしてくれるんだ。変なのに絡まれたら追っ払ってくれたり、医者なのか知らねえが病人が出たら面倒見てくれたりしてよ。そっか、いい人なんだな。 ここら辺の連中はあのじいさんのこと先生って呼んでるんだぜ。今じゃちょっとした恩人だ。変な連中に居場所を聞かれたって愛されて教えてやるわけにはいかねえ。だけど島さんもよっちゃんもあいつらに<笑>お前のお友達随分と仕事熱心みたいだな。 さっきのサマナーの話だと、この辺りを嗅ぎ回ってる連中を率いてるのはカブリ。ああ、先を越されないうちに。大丈夫？ Donc il faudrait trouver Mangetsu bien avant, ouais. Avant lui. Bah, les amis, je pense que nous, on va se laisser là pour cet épisode. C'était vachement cool. On reprendra ici pour le prochain épisode. J'espère en tout cas ben, que cet épisode vous aura plu. J'ai été surpris qu'il n'y a pas que dans l'acte 6 où on aura masse de combats à faire. C'est cool. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et on se dit à très bientôt et à la prochaine pour la suite de Soul Hackers 2. Allez, ciao ciao Mina.